Welcome to the world of Ridge Racer. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est pas ça cette fois-ci. Donc c'est parti, aujourd'hui nous allons jouer à un jeu qui m'a été recommandé, maintes fois recommandé par une certaine personne. Donc il s'appelle Racing Lagoon High Speed Driving RPG. Sorti en 99 ou 99 sur Square, sur PlayStation, pardon, édité par Square. Alors je vous annonce que ça va être très compliqué de vous expliquer le jeu en détail, puisque je vais le découvrir en même temps que vous, et en plus le jeu est en japonais. Le jeu compatible avec la Pocket Station, ce qui est un petit peu la particularité des jeux Square en fin de décennie 90. D'ailleurs, je me demande combien de jeux a sorti Squaresoft en fin 90, parce que concrètement, là, ça commence à faire pas mal, quoi. Surtout, pourquoi des jeux de voiture en plein milieu, bon. Alors, on va voir l'option Window. Alors, c'est à la japonaise, donc en gros, on sélectionne avec rond, et on annule, je crois, avec triangle ou X. Voilà, c'est ça. Alors, on a la contrôle du premier joueur. L'interface est assez sobre, c'est plutôt sympa. On peut activer les vibrations si on veut. Configuration, on a plusieurs configurations. Donc on accélère avec le bouton croix, on freine avec le bouton carré, donc c'est vraiment très très classique. On peut baisser et augmenter la vitesse avec L2 et R2. Mais on a aussi d'autres possibilités, par exemple, voilà, troisième ou quatrième. On peut par exemple, c'est quoi? Ça freine avec X, accélère avec carré. On va regarder la première version, hein. Pour moi c'est la plus classique. On a la visure, je sais pas ce que c'est. Ah! Oui ou non? Alors, je fouille comme d'habitude avec le japonais, je pourrais essayer de traduire mot à mot, mais. Alors, normalement, c'est. Shitai. Allez, c'est bon, on va laisser tomber, donc on va faire back, c'est pas grave. Je crois que j'ai fait oui, hein, donc je ne sais pas ce que c'est. Non, on va sortir. Oui. Je veux sortir. Allez, c'est pas grave. Donc on a un mode High Speed Driving RPG, donc qui est le mode, je pense, histoire, et le mode Warrior Battle Mode. On va d'abord tester le premier avant de lancer le mode de jeu classique. Je sais pas si c'est un mode 2 joueurs vraiment, ou si c'est un mode où on peut s'amuser contre les autres... contre l'IA. Alors, on a plusieurs joueurs, donc on a comment il s'appelle? C'est moi, on voit même pas le nom des joueurs en fait. Un player. Bon. Bon, on va dire qu'on a bonhomme à béret bleu. Ou casquette bleue avec une Honda Civic apparemment. On a. Machin Bordeaux type jeu de combat avec une Trueno, c'est ça hein? Une Trueno. On a l'appui évidemment avec une petite voiture, une Mini Cooper. On a. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment il s'appelle lui? On a. Bah on dirait qu'on a la version de la Trueno un peu évoluée. On a. Lui. Avec une. Ouh, je sais pas ce que c'est, on dirait une Skyline. Skyline ça, ouais, c'est une Skyline. Ensuite on a une petite, je crois que c'est 200SX, 300SX, j'arrive jamais à faire la différence. Et on a Mr. Bogos avec une Skyline, non c'est une Sylvia ça, je crois que c'est une Sylvia QS un peu évolué. Bon écoutez, on va prendre la toute première, ou alors on va prendre, en fait peu importe j'ai envie de dire. Je crois qu'on peut jouer qu'à deux en fait, hein, donc on va faire start. J'ai fait X donc je vais revenir en arrière. Ça, c'est le gros problème quand on switch avec les jeux japonais ou les jeux français, ou en tout cas hors Japon, c'est qu'on a tendance à se gourer de boutons. Je crois que c'est encore le cas ici. Voilà. Donc on va faire start. À nouveau. Voilà. Les changements sont un petit peu longs. Alors, je sais pas si c'est dû à moi ou si c'est vraiment le cas dans le jeu originel. C'est quand même... il faut attendre, quoi. Bon, on va reprendre notre mec, et en com, on va jouer contre... pas contre lui, allez, c'est parti. On va déjà découvrir un petit peu le jeu dans sa direction la plus directe, c'est-à-dire sans passer par le mode histoire. Alors, on a le Bay Lagoon Shore de test course sur le Graveyard ST, je pense qu'on en débloque au fur et à mesure. Donc là, c'est sur un seul tour seulement, il y a un handicap de power, j'ai pas l'impression.
Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait tester? Alors celui-là, il est sur plus sur ouais, c'est y a pas de tour parce qu'on va du bah c'est en comment dire, commune spéciale de rallye. Donc on va faire OK. On peut choisir la direction à l'envers ou en normal, le nombre de tours, il n'y a pas besoin, l'handicap, on va le laisser. Et on peut voir une division de type verticale ou horizontale. On va faire verticale. J'ai pas trop l'habitude, mais bon. Allez, un petit chargement sympa. Enfin, sympa, c'est qu'une image, mais. Allez, c'est parti. Et le démarrage. Alors, ce qui va nous griller au départ, comme à chaque jeu. Non! On part en tête, donc c'est parti. Ouh, alors le maniement, pour l'instant. Ouais, ça va, c'est un petit peu directif, mais bon, on va dire pour l'instant, c'est potable. C'est potable. On va freiner un petit peu. Donc on a le tracé du circuit, ça c'est pas mal. Alors ce qui est marrant c'est qu'on a déjà démarré, j'ai l'impression, au milieu du tracé. J'ai l'impression qu'on est commencé par l'extrémité. Bon, j'ai pas fait gaffe, faut que je revois dans le replay. Donc bon bah écoutez, je trouve le jeu déjà, mais alors ça par contre c'est une énorme surprise en tout cas par rapport à un jeu player, c'est que le jeu est magnifique quand même. Hein. Regardez le niveau de détail, la luminosité, la lumière au niveau des phares, la distance d'affichage qui certes a toujours un peu de clipping, mais quand même c'est vraiment vraiment bien fait. Hein. Ah ouais, franchement, bel effort en tout cas à ce niveau-là. Bon, mais je pense qu'on va gagner. Hein. Alors là, c'était très très court. Hein. Mais alors vraiment vraiment super court. J'attendais à une course un peu plus longue, hein, du genre 2-3 minutes. On a droit à un petit replay. Allez, on va regarder ça. Ouais, les lumières sont bien faites, les phares là. Ils éclairent vachement vachement bien. Je trouve qu'ils ont bien fait leur effet. Ouais, en plus la vidéo est assez dynamique, donc c'est assez sympa de suivre un replay. Là, franchement, il n'y a rien à envier à un Gran Turismo. Hein. Concrètement, c'est vachement bien fait. Alors, est-ce que je peux changer les vues? Si, je peux changer. Je peux par exemple passer de moi à mon adversaire. Bon, l'adversaire n'était pas spécialement rapide. Allez, on va faire start. Oh, on peut avoir la vibration, la luminosité et on peut skip replay, c'est ce que nous allons faire. Allez, c'est parti. Donc on va tenter le mode RPG. Alors le mode RPG, vous vous en doutez, ça va être écrit en jap du début jusqu'à la fin quasiment. Donc ça va être très compliqué. Blablabla, exit, oui, je ne veux pas. Sauvegarder, ma progression. Alors on va faire cancel. On est en arrière aussi. Vous voyez là, c'est là par exemple, voilà. Enfin, pour moi, dans un menu, on est censé pouvoir quasiment arriver instantanément. Là, bon bah, on attend quoi. Il n'y a pas grand-chose à charger, hein. C'est juste un menu avec un fond d'écran. Allez, c'est parti. Pour PlayStation, j'aurais bien voulu voir ce que c'est quand même. Attendez, on va quand même voir ça. Bon, évidemment, il n'y a pas de PlayStation relié, donc je pense que ça va pas marcher. Mais c'est juste pour voir ce que ça donne. Download, tout slot 1, tout slot 2. Bon, ok. Ok, j'ai compris. On va donc lancer le High Speed Driving et RPG. On va faire New Game. De toute façon, j'ai pas de sauvegarde, donc je risque pas de pouvoir continuer. Ah! Bon, bah, on va le mettre sur la slot 2.
Hi. Alors, Prologue Night, Game Start, 0 minutes de jeu, évidemment. Oui. Alors, name entry. Ok. Ok, name entry, donc input. Non, non, hop, on est en arrière, toi. Bon, on va faire comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Donc, non, non, non. Voilà. Là, on va mettre espace, espace, et on va mettre. Attendez, il est où? Voilà. J'ai complètement perdu le fil des hiragana et des katakana, c'est un truc de fou. Mais normalement, ça doit être ça. Hachan, normalement, bon, c'est parti. Alors, une fois qu'on a fini, je pense qu'on fait start. Ça c'est. Alors, je suis en train de faire avec le L1 R1 pour switcher de mode. Ah oui, end, pardon. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ah, j'imagine que là c'est la version. Ok. Mince, attendez. End. Cette austérité! Et on va donc faire end. Ah ouais. J'ai 18 ans. Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme c'est si bien expliqué dans cette introduction, je vais laisser parler mes. Voilà, c'est parti. Pour moi, c'est clair. Concrètement,
Ok, bon, on va juste pour éviter de comment dire de comment dire. En gros, on a une équipe Team Bay Lagoon que nous allons rejoindre 10 ans après pour essayer de faire revivre la légende du. Bah de faire revivre la légende qui a eu lieu 10 ans plus tôt. C'est incompréhensible ce scénario, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire pour plutôt que vous baragouiner, je vais carrément vous dire le truc. Donc, il y a eu un complot Race Lagoon qui a eu lieu à Yokohama au Japon. Et en 1999, ça concerne plusieurs groupes de coureurs de rue, donc voilà. Hein. Il y a un événement qui est appelé Fastest Legend, et un jour, pendant une nuit, il y a la Team Bay Race Lagoon, avec une équipe de 5 membres, dirigée par The Ace, donc là, 5, qui s'appelle Iki Fujisawa, qui organise une course contre les Night Racer Onomoku, donc c'est un autre clan. Et on va suivre donc l'histoire d'un nouveau membre du BLR, donc Sho Akasaki, ce qui est en fait nous, hein, puisque j'ai changé le nom. Et voilà, on commence notre carrière en course. Et le but c'est de découvrir le mystère de la légende, enfin la plus légende du épisode le plus rapide, et son passé à Yokohama. Voilà, tout simplement. Donc il y a du truc. Je pourrais pas vous traduire, c'est trop rapide, et puis de toute façon on a déjà 18 minutes de vidéo, on a même pas commencé quasiment. Alors s'il y a des gens qui veulent traduire la vidéo, enfin avec des sous-titres en dessous, pas de soucis, alors franchement faites ce que vous voulez, y a aucun problème. Limite je pourrais le faire aussi, mais ça me prendra un temps énorme. Et c'est dommage parce que le jeu mériterait vraiment d'avoir une version en anglais. Bon, c'est pas le jeu le plus parfait, hein. Il a été noté assez moyennement par Famitsu et les journaux japonais à l'époque. Donc le jeu ne semble pas être une merveille en tant que tel. Par contre, je trouve que c'est plutôt une merveille au niveau technique. En tout cas, en première vue, en tout cas au niveau des graphismes. Après, on se rend compte qu'ils ont utilisé un petit peu les moteurs de moteurs graphiques de FF, hein, pour certains détails. Donc là voilà, bon, on va laisser parler, de toute façon je ne pourrais pas vous traduire, je suis désolé. Si je me mets à vous traduire, comme je vous dis, on en a pour 3-4 heures. Chion. Ouais, j'essaye quand même, mais en fait, même si j'arrivais à lire ce qui est marqué, je ne pourrais même pas vous dire ce que ça veut dire. Donc. Bon, enfin en tout cas, ça a l'air d'être parti. Ok, on peut gagner Get Reward, donc on peut gagner des... voilà, c'est le seul truc qu'on va traduire. Donc on peut avoir des récompenses. Oh, alors ce que je vois c'est que derrière il y a une... Night Orange, Gracie, je pense que c'est lui, hein, Gera ici, je pense que c'est la... C'est la tipeur. Alors, j'essaie d'avancer un petit peu, parce que sinon, on n'avancera pas du tout le jeu. Allez, c'est parti. Blablabla. Alors je n'ai pas pu choisir mon personnage, hein, vous l'aurez compris, puisque je choisis le héros du jeu. Donc je ne pourrais pas choisir ma voiture logiquement, enfin en tout cas au début. Et donc je pense que nous allons commencer... Alors voilà, on a la starting grid, on peut voir les joueurs, donc il y a 7 pilotes. C'est étrange quand même, c'est la première fois que je vois 7 voitures en même temps et pas 6, 8 ou 10 ou plus. C'est un chiffre impair. Et donc chargement de la partie avec le découverte du circuit. Ça c'est sympa. Écoutez... On va voir. Moment d'austérité. Oui, donc vous allez voir que dans cette vidéo, vous allez louper les 50%, donc 80% d'intérêt, puisque c'est censé être un RPG, ce qui est assez rare aussi pour le souligner pour les jeux de voiture. Oula, c'est un départ moyen. Et donc, effectivement, voilà, on a 5 rivales.
Ah non, notre rival par exemple là-bas était 5ème, donc on doit faire mec 5ème. Et nous, on est 7ème pour le moment. Et donc il y a 7 voitures en même temps. Pourquoi 7? Je ne sais pas. Oh, bon là on va taper. Alors il n'y a pas de... Combien de tours il y a? Ah oui d'accord, remain 3 km2. Donc on va essayer de se concentrer un petit peu et voir si on peut les rattraper. Donc on a le circuit à gauche avec le petit point bleu pour nos amis qui ou notre rival. Et nous on va devant passer devant lui. Alors là on a une, quand même une belle boue dans notre... J'ai l'impression par rapport à eux. Waouh, attention. Donc voilà, c'est lui. Celui qu'on a vu dans la vidéo avec sa hyper. Alors par contre les autres sont super devant. Je pense qu'en fait c'est impossible de terminer premier. On va vraiment se battre contre lui tout le long. Allez, on va le dépasser. Ouah. Oh le dérapage. Je me suis complètement manqué. Et il reste 1 km, donc je pense que je vais même pas réussir en fait. Ok, donc il va falloir recommencer, ça part très très mal. Bon, il reste 600 mètres, bon j'ai fait l'erreur qu'il fallait pas faire en fait dès le début. Ouais, il va l'emporter. Bah, je vais faire give up seulement. Bon bah tant pis. Ouais, il va finir devant nous. Donc du coup on va échouer dès la première course, hein, ça commence bien. Bah, on a perdu. Alors si on perd, j'espère que bah, le jeu va prévoir ça et que je vais pas devoir taper tout le chargement de course. Donc là on a le replay. Ouais, apparemment voilà, il y a quelque chose qui dit qu'on a loupé. Là pour l'instant je peux rien faire. Concrètement, je peux pas avancer. Je me dis que j'ai foiré, c'est bien, on est très content pour lui. Par contre j'aimerais pouvoir avancer. Ouais, c'est pas grave. J'espère qu'on va pouvoir retenter. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Ah, c'est ça le plus intéressant dans le jeu, c'est savoir ce qu'ils se disent, et malheureusement je ne sais pas vous le traduire. Bon. Alors que va-t-il se passer? Est-ce que je dois recommencer le jeu en entier, ou est-ce que je vais pouvoir passer la scène... You lost. Oh, on a un ultra filter, je sais pas ce que c'est. Ah, on n'a pas gagné de filtre à air en fait. Ok. Donc on l'a perdu. Vu qu'on l'a pas gagné, on l'a perdu. Donc on a plus de filtre à air sur la voiture. C'est quoi ce délire? Je passe le plus vite possible parce que j'aimerais pouvoir faire une prochaine course quand même, pouvoir retenter ma chance au minimum. Sauf là ils sont en train de dire que j'ai été viré de l'équipe. Hein. Écoute, t'es bien gentil, mais si t'arrives pas à battre le premier gars, on peut pas aller très loin. First night, midnight, plus one. Ils ont prévu le coup ou quoi? Alors. S'il vous plaît quoi, faites que je ne tape pas tout refaire.
Oh là là là, mon dieu, s'il vous plaît. C'est quelque chose que j'aimerais vous montrer dans le jeu quand même, c'est la map. Vous allez voir qu'on a, on a un mode un petit peu à la Shoroku, avec une vue un peu détachée de la ville, et on peut se déplacer d'un endroit à un autre. Et ça, j'aimerais vraiment vous le montrer. Je pense que la première course était tutoriel de toute façon. Ah, on pouvait répondre, mais je sais pas ce qu'il faut que je réponde. C'est pas grave. Bon, j'imagine que ce sont nos concurrents, hein, parce que c'est la même voiture que tout à l'heure. Allez, il faut que ça passe vite là. J'ai l'impression de jouer à Metal Gear Solid, quoi. Il y a plus d'intro, il y a plus de scènes cinématiques que de jeu en lui-même, quoi. Vous imaginez, on a joué peut-être sur les 30 minutes, on a joué peut-être. Allez, 3 minutes. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Allez-vous-en! Bon, les musiques sont sympas. C'est le même compositeur que pour les FF. Et voilà, bah écoutez, voilà, on est enfin arrivé sur la map, c'est bien. Donc, c'est voilà, bah, de Yokohama. Alors la framerate elle en prend un sacré coup. Mais il y a pas mal de détails, c'est plutôt, plutôt joli. Bon évidemment ils ont gardé la tour. Hein. Alors si vous avez joué à Need for Speed Underground 2, vous savez que vous pouvez faire des duels sur une map ouverte. Avec d'autres voitures qui se baladent dans la rue. Enfin, quand je dis d'autres voitures, c'est des concus, c'est des voitures évidemment tunées, hein, pas des gens normaux, hein, pas des voitures normales. Et là, normalement, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez faire des appels de phare en fait, qui vont passer devant, devant quelqu'un. Donc là, c'est le parking de. Voilà, rond, c'est le bouton parking. Ok. Alors, on a une petite map, on va se balader un petit peu, voir ce que ça donne. Et on a une voiture qui nous a rattrapé là, qui nous a fait un. Ok, donc apparemment il nous met en. Il nous défie. J'ai l'impression. Voilà, là, là, la tracer. Bullet encounter, je sais pas ce que ça veut dire. Ok, blabla, blabla. Donc apparemment on va aller jusqu'à Boulet Graillard, je sais pas ce que c'est comme endroit de la ville. Il nous explique quand même ce qu'on peut faire, donc en fait c'est plutôt un tuto qu'il nous donne, j'ai l'impression. Mais c'est parti. Dites-moi que c'est une course, j'en supplie. 32 minutes, j'aimerais pouvoir un peu rouler. Donc nous sommes avec une Levin 86 pour l'instant, et on va se battre contre une... Contre une Star S... Ah, donc il y a d'autres voitures, donc une marche G, donc en gros une Micra. Ça me rappelle des choses, ça c'est pas sûr. Mauvais départ, évidemment il va être devant nous. Non, c'est bon. Je suis resserré dès le début. Ah non, regardez, il les a rattrapés direct. Okay, donc, cette fois-ci, on va essayer de faire gaffe au tracé. Voilà, pour essayer de remporter une course, ça serait bien. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu le même... Oui, c'est le même circuit que tout à l'heure.
nous avons fait au début. Alors la petite chose dommage quand même, c'est... Enfin déjà je le dis, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Je fais n'importe quoi. Il n'y a pas de... Je vais y arriver. Il n'y a pas de... trafic. Voilà. Pas de trafic, c'est un petit peu dommage. Ça aurait un petit peu pimenté la chose. Mais je pense qu'après, il y aurait eu trop d'éléments sur la route. Et je pense que la... Peut-être que la console n'aurait pas pu tenir. Donc j'ai gagné 1000 RP, j'ai pas gagné d'handicap. Et au niveau de l'expérience, je suis à 2 sur 3 en moteur, 2 sur 3 en châssis, et 3 en body. Et du coup... Alors, c'est pas mal. On a un système de RP qui nous permet de faire progresser la voiture. Ben voilà, on va commencer à comprendre un peu le jeu, ça c'est cool. Donc, on a 5000 RP. Donc si je fais 1000 RP, je peux améliorer mon moteur. Là, je peux voir le châssis, je peux acheter des pneus. Je peux acheter un volant court, j'ai l'impression. Je peux acheter un body pour 1500. Ben écoutez, on va l'acheter. Oui. Ah, machine complete. Ok. Donc on a 2 sur 3. Ah bah c'est déjà fait. Ok, alors j'ai pas compris. Hein. J'ai validé un seul élément et en fait il m'a tout fait. Vous voyez que cette voiture a un petit peu évolué, j'ai l'impression au niveau de la carrosserie, elle est beaucoup plus large. Bon, je vais dire ok, hein, mais j'ai pas compris. Voir les infos, donc on va faire ok. Ah, on va prendre le club sport, voilà, ça c'est bon. On va faire ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Non. Attendez, club sport, on le valide. Et là, on va mettre le X65, voilà, et on voit que notre courbe a augmenté. Je pense que c'est bon. Non. Alors là, c'est le plus incompréhensible. Je te fais quoi? Ah, on peut faire back en fait directement. Donc là, on l'a acheté, on a acheté tout. On va sortir de là. Donc j'ai un petit peu amélioré ma voiture. Donc ça, c'est bien. On peut faire progresser sa voiture. Mais j'imagine que l'IA aussi progresse. Hein, c'est un peu souvent le même cas dans ce genre de jeu. Alors, retour à Bay Lagoon, j'espère que je vais pas me faire défoncer d'un coup. Là, on a un parking. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ah, j'ai appuyé sur rond. Yo! Voilà, c'est tout ce que j'ai compris de la phrase. Mais c'est vraiment ce qu'il a dit au début. Hein. Attention, hein, je ne mens pas. Je ne sais évidemment pas ce qu'il nous explique. J'ai gagné un Green Wind. Youpi! Qu'est-ce que c'est que le Green Wind? Je ne sais pas. On dirait un aileron? Non. Je sais pas trop ce que c'est. Ah d'accord, donc on est revenu dans la ville. J'ai dit oui, mais bon, c'est pas grave, je rappelle pas de vue. Ha ha.
Donc, on va en faire le tour. Ce que je voudrais faire, c'est voir s'il y a menu avec le start, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, j'ai menu start. Ouh, donc on a quelques trucs là. Unofficial Rust Results. Ah, et puis apparemment, il y en a pas mal. Je sais pas ce que c'est. Ah, il me dit si j'appuie sur start, j'ai machine complete. Ah oui, donc on peut directement modifier à cet endroit. Apparemment, on a gagné quelque chose, alors je sais pas ce que c'est. On va faire. Ok, on va voir le body. Ah mince, alors attendez. On va voir si ce qu'on a gagné, on peut le placer. Bon, apparemment, il n'y a rien. Là, je commence à en comprendre en fait. On peut améliorer chaque partie, on peut les remplacer les pièces au compte-goutte. On va voir si c'est pas ici qu'on a gagné quelque chose. Donc là, on a rien gagné. Là on a rien gagné, là on a rien gagné, bon bah je vois pas du tout, à moins que ce soit ici. Ah on a gagné un Green Wind. On va faire ok. Ah mais ça nous a baissé la puissance, c'est quoi ce truc de fou? Maintenant on va garder ça hein. Allez on va revenir en arrière. Et on va essayer de faire une petite course en ville. J'imagine qu'il y a des objectifs à faire sur le premier de première partie de la map. C'est un jeu de patience, hein. Faut vraiment. Faut pas aller trop vite. Alors, vous voyez, il y a des petits points sur la map, des points jaunes. Je pense que ça veut dire qu'on peut aller à différents endroits. Il y a un parking. Ah, bah voilà, on est rentré dans une voiture, donc je pense qu'on va se faire défier. Chargement en cours. Ah, on tombe sur une. Bah, c'est une A32, je pense, on souhaite une Skyline. Ouais, c'est ça. Bah c'est parti. Ouh, autre type de circuit, seulement 1200 mètres. Je parie qu'on va s'agriller dès le début. Ok, premier virage serré bien passé, il reste 960 mètres. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait des dommages dans le jeu quand on tape par contre, donc je pense qu'il faut pas aller jusque là. Quand on voit là. Ah non! Il va m'attraper d'un coup! Alors j'ai pas vu, est-ce qu'on a vu le phare arrière? Je crois pas. Je peux faire les appels de phare? Oui, je peux changer les phares, regardez. Là si j'appuie sur R1, j'ai gagné. Je peux... Bah, je peux faire les appels de phare simplement avec R1, vous avez à peine eu le temps de le voir. Je pensais qu'on pouvait mettre une vue arrière, mais j'ai pas l'impression. Ah ben voilà, on est à 3 sur 3, donc on a un level up, je pense, de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 7000 RP, on peut avoir un moteur, j'ai l'impression, en plus. Ok, ben c'est parti, on va faire quête. Oui, pour 6000 RP. Donc là, on retombe dans la machine complète. Et on a un engine de niveau 2! Ah ah ah! C'est parti! Ah, donc on a une troisième case qui s'est débloquée, je vais pouvoir mettre mon Green Wind dedans. Voilà, bah c'est parfait! Au niveau du châssis, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas faire grand chose, on va faire OK quand même. Non, j'ai rien débloqué, là il n'y a rien, bon, ça va être comme tout à l'heure, donc on va pas. Et que le au niveau du moteur, hein, qu'on a pu améliorer un petit peu la voiture. On est toujours à 128 chevaux. China Street. Là, il y a un parking. On va voir ce qui se passe. Alors, je vais traverser au Yokohama dans la réalité, mais je serais incapable de vous dire si ça ressemble vraiment à la ville. Je sais juste que c'est une ville portuaire, donc pour l'instant on est dans le bon thème, mais ça va s'arrêter là. Chinatown. Ah, Drag Race. Oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas que des courses sur circuit.
Il y a aussi des courses avec du passage de vitesse, donc en gros, bah ouais, du 0 à 1000 ou du drag race, comme ils expliquent tout simplement. Allez, c'est parti. Oui, tout à fait. Moi, j'ai toujours oui, de toute façon, je suis pas quelqu'un de compliqué dans le jeu. Quand je comprends rien, je dis oui. Ouais, non, vraiment. Enfin, vous comprendrez que c'est très difficile à tester ce genre de jeu si on comprend pas les paroles. En plus, c'est un RPG, c'est un RPG de voiture. Vous pouvez mettre Gran Turismo en japonais, bon, vous allez quand même comprendre. Mais alors là, bon courage. Ah. Et attends, ouais, je pense qu'il va me proposer si on veut faire une drag race. Mais je pense qu'on ne peut pas le faire. C'est pas grave. Alors là, il faut faire gaffe parce qu'on va se faire rouler dessus. Beeper Street. Ouais, là, par exemple, ils ont fait des appels de phare. Mais c'est trompé, c'est pas là où je voulais aller. Marina Street. Ouais, je regarde un petit peu la ville, hein, ce qu'on peut aller. Il y a un parking, par exemple. Minato Street. Alors, voyez, regardez, si je fais R1, je peux faire des appels de phare. Governor Street. Midtown Street. Et je pense que pour l'instant, tout n'est pas débloqué. On va pouvoir débloquer au fur et à mesure des portions de la ville. Alors, on va aller ici. Ah, Tunchum Spencer. On va voir un peu ce qu'il y a. À Neo Bayaria Street. Déjà à 45 minutes de vidéo, mon dieu. Blue Lagoon Racing Tune Shop Spencer. J'imagine qu'ils expliquent ce que c'est exactement, blablabla, ce qu'on peut faire. Ça, on est encore dans la phase un peu tuto. On a le tutoriel ou le Tune Shop Spencer. On va faire directement le Tune Shop Spencer. Heureusement qu'il y a quelques parties écrites en anglais, sinon ça serait vraiment, vraiment, vraiment embêté. Ah voilà, donc on peut buy unit, buy parts, vendre des items. Alors, on va voir si on peut acheter les unités. Ah oui, bon, bah oui, oh, ouais. On a 100 000 yens pour le moment. Voilà, si je voulais acheter une engine unit au plus haut, hein, avec un V6, hein, ça nous coûterait 880 000 yens. Donc, à peu près 7 800 dollars. V6 unit, on peut rien acheter pour l'instant. Regardez, on a des bodies. Ah oui, on achète carrément. Carrément des voitures en fait, du limite on peut changer, on peut s'amuser avec celui de Sylvia, celui d'une Star ou d'une. Je sais pas ce que c'est comme voiture, bah c'est une E86 encore. Bon, on va faire back. On peut acheter des parties pour la voiture, toujours avec 100 000 yens, mais vous remarquerez que. Ah non, des choses qui sont achetables. On a un extra wing. Par contre, j'aurais bien acheté des pneus pour avoir une meilleure. Adhérence. Bon, allez, on va en acheter. Ça mange pas de pain, on va en prendre un. Et on va du coup, on va aller dans Machine Complete. Et dans le châssis, voilà, on va remplacer les pneus par des scuds à la place des Flying Saucer. On va faire back. Et on va du coup vendre mes pneus. Simplement chez l'item. Je pense que c'est ça. Voilà, Flying Saucer. Oui, donc du coup j'ai 80 000 crédits et du coup je vais pouvoir acheter d'autres trucs. Donc ça c'est pas mal, on a un petit. Voilà, on a un petit magasin, on peut faire de la vente, de l'achat. On va sortir de là. Par contre pour le moment je sais pas trop où je dois aller. C'est un petit peu mon souci. Je sais que je peux faire des duels dans la ville. Mais je sais pas si je dois aller voir quelqu'un en particulier. Oui, sur la map, c'est pas forcément écrit quoi. On voit des petits points, on sait qu'il y a des choses à faire. Si c'est Seaside Street. Si je fais les appels de part avec le camion, non, je peux pas prendre le camion.
Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi ça? Wakaba Bank. Ok, donc je pense qu'on peut faire des emprunts. On va essayer de voir un peu ce qu'il y a. Alors lui il veut se battre. Attendez. Non. Le chain attend, on vient de le faire. Ok. Sigmund Street, ok. Là on est déjà allé. Ça c'est quoi? Body Shop, ok. Bon bah on va essayer de se faire lui. Ah là là, attention, on va essayer de le rattraper. Il est où le rouge? Viens ici toi. Il y avait un mec qui me cherchait les crosses avec la... une sorte de Eric 7. Ah! Ok, c'est quoi ton foiré? Reviens ici! Bon, les musiques sont sympas, moi j'aime bien, c'est très cool. Je vais sûrement revenir. Je vais sûrement revenir. Yes! C'est bon, on l'a eu. On va essayer de se le faire. Alors je sais pas si le niveau va être adapté à ma voiture ou si je vais tomber sur des voitures beaucoup trop rapides par rapport à moi. Alors j'ai pas trop parlé des véhicules en eux-mêmes, ils sont quand même bien rendus concrètement, graphiquement parlant c'est bon aussi. Au niveau des sons c'est pas mal, au niveau de la musique c'est cool aussi. Pour l'instant, voilà, je dis au niveau technique, on est quand même vraiment bien. C'est un peu dommage que ce jeu ne soit pas traduit en anglais ou autre, parce que je pense qu'il le mériterait. Ah, j'ai l'impression d'avoir déjà fait ça. Ça me rappelle quelque chose. Pourtant, la Celica, je l'ai pas joué contre elle. Donc, j'ai pas de vue arrière. Voilà, ça c'est dommage. Si je fais Select, bah il se passe rien du tout. Et je disais, voilà, si j'appuie sur R1, regardez les phares, ça me change un petit peu. Je suis complètement loupé. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le bloquer. Oh, c'est qui veut essayer de me toucher, lui. Oh non, on va perdre tout, dernier moment. Il est resté 190 mètres, là. Oh, ça va être compliqué. Allez, la vitesse de pointe, la vitesse de pointe. Non, c'est perdu. Ah bah, on a perdu au dernier moment, quoi. Bon. Du coup, j'ai perdu des éléments, j'ai l'impression. Parce qu'en général, on parie des pièces. Oh non, j'ai perdu un club sport. Du coup, ma voiture est en train de retomber. Donc ça c'est pas mal aussi comme aspect, c'est-à-dire quand vous tentez de faire un pari, vous le loupez, bah votre voiture, il va falloir, si vous voulez la faire évoluer, il va falloir gagner plein de fois d'affilée. J'aurais bien envie de faire la revanche. Allez, je fais la revanche contre la voiture blanche. J'espère que le circuit sera différent, mais je pense pas. Parce que comme on est, on a fait le défi au même endroit, à mon avis, ça sera le même tracé. Faudrait tenter un défi un peu ailleurs dans la ville. Faudrait que j'aille voir à Chinatown, c'est pas moi de faire un défi quand même. Ouais, c'est la même course. Alors par contre, la moindre touchette avec ce jeu, on est ralenti quand même pas mal. Ah bah voilà, bon bah... Ok. C'est mort. J'ai encore fait une bêtise. Bon bah c'est incroyable à quel point je suis mauvais. C'est incroyable, c'est le même circuit depuis tout à l'heure, je n'arrive même pas à prendre un virage quoi. Bon, c'est pas grave hein, écoutez, je pense qu'on a encore perdu quelque chose. Ouais, j'ai encore perdu un bout de... À la fin je vais finir avec le châssis, sans les roues, sans le moteur, il va falloir quand même que je gagne. C'est scandaleux. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là c'est un parking encore. On va le tenter quand même. Ah mince, je me suis fait rameuter par votre voiture. Bon écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite dernière course. En plus je tombe sur la même, là, la Céline S1. Non, c'est le même circuit toujours. Hein. Faut essayer de prendre ma revanche sur la...
Sur la Céline S1. Mais en fait, ils disent Céline, mais c'est la Celica en fait. Je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça. Comme s'ils n'avaient pas eu tous les crédits. Toutes les licences des voitures. Ouais, cette fois-ci je gagne hein, quand même. J'ai cru que j'allais encore perdre. Mais c'était pas loin. J'ai encore failli perdre. Bon, par contre, le Chinatown, j'aimerais savoir ce qu'on peut faire avec. Je pense qu'il y a moyen de continuer la partie. Non, non, on va faire exit. Je m'en fiche, oui. On va directement essayer de retenter la course. Chinatown. Alors pourquoi Chinatown? C'est parce que je vois pas marquer Body Shop ou autre, donc je me dis. D'avoir un truc à faire, c'est pas possible. Ouais, je peux pas y aller, j'ai l'impression. Je sais pas où on va. Ah, je me suis encore fait rattraper par une voiture. Ah, je me fais spammer. On a l'impression d'être dans Final Fantasy, dans une campagne, et à chaque fois qu'on fait 3 pas, on se fait harceler par un mec. Bon, mais c'est pas grave. On va essayer de prendre la revanche contre lui. Même si je crois pas m'être battu contre une Sylvia. J'ai quand même réussi à prendre ce virage une bonne fois pour toutes quand même. Hein, je peux le faire quand même, prendre un virage. C'est pas impossible. Oh mais c'est pas possible, j'ai pris les trois murs quoi. J'ai pris les trois murs hein. À aucun moment j'ai pu tourner, à aucun moment j'ai pu bah, prendre le virage proprement. Je crois que je n'ai jamais réussi encore à faire cette course. On gagne mais c'est incroyable d'avoir réussi à gagner mais... Enfin bref. Donc on a gagné quoi? Bah des crédits mais... Attendez, j'ai gagné une voiture. Carrément gagné une bagnole. Bon bah, on va faire exit. J'ai gagné une voiture ou quoi? J'ai pas compris. Bon, faut absolument qu'on trouve quoi faire. On est quasiment à l'heure de jeu. D'ailleurs, je pense qu'on va s'arrêter bientôt, même très bientôt. Rolling Stone Street, je ne sais pas ce que je dois faire en fait dans ce jeu, s'il vous plaît. Ouais, c'est la highway, j'ai compris. Je peux pas y aller? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fait rentrer dans une voiture ou quoi? Bon, bah, apparemment, oui. Ah, on se bat contre une. Je pense que c'est une Subaru Legacy Wagon. Ouais, je pense. Ouais. En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'il y a plus de voitures que prévu. Ah, par contre, on n'est pas au même endroit, donc là, on va pouvoir peut-être tenter quelque chose.
Oh, le maniement, il y en a partout et on se touche. Ok. Allez, il y a un virage à faire. Un seul. Ok, bon alors là par contre ça aurait été ultra facile, même si on s'est pris tous les murs. On a quand même réussi à gagner. Il y en a enfin changé de tracé. C'est surtout ça qui est bien. Alors, Get Award. Ah et voilà, donc si je voulais acheter cette voiture, par exemple, qui fait 275 kg, donc je vois pas l'intérêt. Si j'ai assez de points de RP, bah, je peux l'acheter. Donc c'est le cas là, donc par exemple je pourrais changer de châssis complètement. Donc je vais pas le faire. Je vais faire exit. Pour le moment je n'ai rien à acheter. Par contre je pense qu'on va s'arrêter là. Écoutez, je suis un peu bloqué, je sais pas trop où aller, donc plutôt que de faire une vidéo qui a 3 heures. Et qui n'avance pas, bon, on va rester à cet endroit. Si je fais select, il se passe rien, je peux juste voir à peu près où j'en suis. Si je fais start, bah, on a les courses à faire. Hein. Donc on va s'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu, même si c'est très compliqué pour moi de expliquer ce genre de jeu, puisque bah, voilà, hein, c'est tout en jap. Je vois quand même qu'on a un pourcentage Street Fight apparemment, 71%, je crois qu'on a... Je sais pas ce que c'est, 5 et 2, j'imagine que c'est 5 victoires de défaite, pourtant j'ai perdu plus que 2 fois il me semble. On peut acheter, on peut modifier sa voiture, on peut progresser, c'est vraiment intéressant comme jeu je pense, mais il faut vraiment comprendre le japonais pour que ça aille plus loin quoi. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.